So shortly, you will hear Théophile Obenga talk about his experience in the 1974 UNESCO conference, along with Cheikh Anta Diop, where they obliterated like 18 or 19 Eurocentric Egyptologists, right? And one of them was a black person from Sudan, who was obviously Europeanized. So he just talks about how these people just play games and they're not really forthright with their information. They just like to lie and manipulate. And I want people to know that the reason why back in the day we called racist white people crackers is because wisecracks, crackers, because they would say the most outrageous and ridiculous things about us and to us, and they spread it around the place, and then people believe it. That's how ridiculous they are. But it works, apparently, because they could say whatever they want about another people's culture and get away with it. But these two put them in their place. But the thing is that a lot of people don't even know about this. And when we challenge them on their nonsense, they'll look ridiculous. They'll look exactly like crackers. Like I keep on saying, like, for example, the Black Madonna and Child. Black people in Europe during the Middle Ages, they don't want to talk about it. They want to say that, oh, the reason why it's black is because the soot from the candle over centuries made it black. This is the general consensus. They say other things, but that's the general consensus. Makes no sense whatsoever. So you allow something to get dirty over centuries, something sacred to get dirty over centuries? That shows how nasty your culture really is. And also, only the face and hands get dirty. So the paintings, the sculptures, the statues, only the face and hands get dirty. So this is the nonsense that they propagate. So it's not surprising that we call them crackers. But anyway, just listen to what he has to say. Plus sûr pour ça. J'ai dit d'accord. J'ai fait. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais, Abdallah. Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote puis j'allais au résumé. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que. En Égypte, le mot pour noir, c'est Kem. Kem, Kemet. C'est noir. Et Abdallah, égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, ce n'est pas comme ça. Alors, moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit, qu'est-ce que ça devient chaud, cette affaire-là. Mais j'ai dit, ah, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, ah, il peut avoir. Est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi. Ce n'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça? Apparemment, il a tort. Mais je ne sais pas. Il ne faut pas dire que tu as tort, il faut attendre d'abord. Cheikh dit que. C'est pas comme ça, Abdallah. Abdallah, les deux, bon, on est du mollo-mollo. On a dit, un grammairien qui était là, sonneron, connaît la langue, l'égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, c'est pas la peine. Moi, je sors avec Obengon, on s'en va. Parce que c'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y aura plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Sonneron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Hein? Moi, j'ai dit cette affaire-là. Je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par O alphabet. Le clan Obenga, Naduri, Sonneron, nous on était à. Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, les Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Ça. Et Sonneron était un peu hésitant. Ah, le Cheikh a insisté, il a dit, non, monsieur Sonneron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Oh, déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi sert-il de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Ah, mais Cheikh est radical. Il faut des compromis aussi. Non? Bon, Sonneron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes,
Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est un noir, bon, enfin. Il voulait dire que c'est un noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir, vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf! Et après, j'ai dit à Abdallah, pendant la question, j'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux et tu insistes. Il faut être honnête parce que le débat, ce n'est pas comme ça. Il a dit non, j'ai dit non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un parle, c'est pas... c'est sérieux, il faut être sérieux. Après, chaque fois, il me demande, oh, mais comment va Cheikh? Chaque fois, il me demande, si on se voit dans les conférences intéressantes d'égyptologie, oh, comment va Cheikh? Je dis, toi, tu n'es pas sérieux, Abdallah. Enfin, bref, le problème est le suivant. On a discuté le problème. La couleur de la peau des Noirs égyptiens, est-ce que c'était noir ou blanc? Bon, les témoins oculaires, tels que Hérodote, tels que Aristote, disent que les Égyptiens sont noirs et crépus. Ils sont la peau noire, les cheveux que Mélancourès et ici, Caille ou Litriquet. C'est-à-dire qu'ils ont la peau noire, la couleur de la peau noire, et les cheveux contournant en tire-bouchon. Quand je prends le cheveu d'un blanc, un seul, je le mets ici. Quand je prends le cheveu d'un noir qui n'a pas défrisé, je le mets ici. Le cheveu du noir est contourné en tire-bouchon comme ça. Le cheveu du blanc est droit. Les nôtres deviennent droits quand les dames vont se défriser. Tu vois? Mais tant que ce n'est pas défrisé, c'est tout comme ça. Contournant ou litriquèse. Et c'est ça qu'Hérodote dit. Il a vu les Égyptiens, pas momés, mais vivants. Au marché, au temple, dans la rue, etc. Il le dit. Aristote, qui était là-bas aussi, avec Alexandre, il dit que Agan Mélanès, et ça c'est Bilolo, un Congolais d'ici, qui a étudié ça aussi à fond, qui dit que Agan Mélanès, ils sont excessivement noirs, ils sont très noirs, trop noirs même, Agan Mélanès. Parce que, vous savez, la règle des stoïciens, Méden Agan, pas de trop, pas de choses en trop. C'est Méden Agan, c'est Agan. Pas trop, ne fais pas trop, n'aime pas trop la bouffe, ne fais rien de trop, pas trop, n'abuse pas. C'est la règle des stoïciens. Donc le mot Agan, c'est trop. Ils étaient trop noirs, ils sont trop noirs. Bon, ça, qu'est-ce qu'en pensent les religieux actuels? Que, bon, Cheikh Anta a fait des coupes de dosage de momie hein, pour voir la dosage de la mélanine. Il a amené des échantillons. Il dit, si vous voulez voir, on va au laboratoire à la fac de biologie ici au Caire. On voit les échantillons. On voit le dosage de la mélanine. Bon, même mieux, Manchester, Liverpool, école de médecine. L'école de Manchester aussi et Liverpool aussi. Ils ont pris les mêmes échantillons pour doser la mélanine différente. Et le résultat était le même. Le même échantillon divisé en deux, et les deux ont fait indépendamment, le résultat est le même. It was not brown ou dark, mais black, donc noir. Enfin bref, ça c'est la couleur de la peau. On passe à la langue. Ils disent oui, l'Égypte est en Égypte, en Afrique si vous voulez, c'est pour Proche-Orient. Bon, si vous voulez, c'était noir comme vous, si vous voulez. Mais ne confondez pas race et culture. Ils peuvent être noirs comme vous, mais pas la même culture, parce que la langue qui exprime leur culture, l'Égyptien ancien, cette langue-là n'est pas apparentée à vos langues négro-africaines, mais plutôt apparentée aux langues sémitiques, comme l'acadien, le babylonien, l'hébreu, l'aramaïque, le phénicien, l'arabe, etc., etc. Ou le sud-arabique, ou l'éthiopien, le gez, l'amharique. Donc, molo, hein, ils sont sur le continent africain. Bon, si vous voulez, ils sont bruns ou noirs comme vous, mais attention, ne faisons pas de confusion. Ils n'ont rien à voir avec vous parce que ce qui compte, c'est la culture. L'expression culturelle n'est pas la même. C'est une langue afro-asiatique. Afro parce qu'elle est en Afrique, asiatique parce que les langues sémitiques sont en Asie. Donc voilà la parenté
afro-asiatique. Avant, on appelait ça kamito-sémitique, parce que c'est des langues parlées par les descendants de Kam. Et qui a dit ça? C'est Grinberg. Grinberg est qui? C'est un linguiste américain de Stanford. Qu'est-ce qu'est Stanford? C'est la meilleure université, la première au monde dans le classement. Donc, quand même, un gars de Stanford, hein, la première université cotée parmi les listes des meilleures universités au monde, en tête vient Stanford. Même les USL sont troisième. Berkeley, Princeton est deuxième. C'est Stanford number one. Lui, il est là-bas et toi, tu sors du Congo. On ne sait même pas où ça se trouve sur la carte, hein, à Brazzaville. Et tu oses attaquer le professeur Joseph Yarchwe Grinberg. Be careful, Benga, be careful. Fais pas attention, quoi. Molo, molo. On aime bien les Africains passionnés. Afrique, Africa, Malcolm X, Lumumba, ceci. Mais doucement, ici, c'est la science. Doucement, tu as fait tes preuves au Grinberg quand même. Ben enfin, hein, n'attaquons pas pour attaquer. J'ai dit non, je n'attaque pas pour attaquer. Vous qui parlez de Grinberg, vous l'avez lu? Dit, on n'a pas besoin de lire Grinberg, tout ce qu'il fait bien. J'ai dit justement, quelle est cette épistémologie qui dit qu'on ne lit pas ce qu'un tel fait, ce qu'il fait, on ferme les yeux, c'est bien. C'est une mauvaise épistémologie. Moi, j'ai dit, j'ai lu Grinberg. Techniquement, voici ses défauts. Il aligne des vocables égyptiens ou acadiens ou d'autres langues là. Mais j'ai compté, sur 100 vocabulaires qu'il prend, les mots égyptiens, c'est 74. J'ai compté, 74 mots égyptiens. Et dans ces mots 14 égyptiens, il y a beaucoup de faux. Voilà, voilà. Et il y a beaucoup d'absents aussi. Il laisse blanc. Alors, donc, sa documentation est très maigre. Hein? Les données égyptiennes qu'il emploie sont maigres. Hein? Deuxièmement, il emploie une méthode qu'il est le seul employé au monde lorsqu'il s'agit de linguistique comparée et historique. Parce qu'avec ça, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe nulle part. Même les livres classiques ne disent pas ça. C'est sa méthode massive. C'est-à-dire, plus j'ai des faits, plus c'est vraisemblable. Or, il n'a pas beaucoup de faits, donc il a moins de vraisemblables, du coup. Donc, le fait qu'il amène peu de faits détruit même sa propre manière de faire. Tandis que l'autre méthode, même si j'ai peu de faits, c'est leur analyse qui compte. Lui, Grinberg, il n'analyse pas. Voilà les défauts de sa méthode. Je ne suis pas le seul à le critiquer. Un tel linguiste américain, qui n'est pas moins fort, qui est de Chicago, l'a critiqué aussi. Un Hongrois de là-bas aussi, l'a critiqué aussi, même plus violemment encore. Bon, voilà. Voilà la critique qu'on peut faire de Grinberg. Mais qu'à cela ne tienne. Bon. Il dit oui, mais il y a Eret aussi, un gars de USL qui a fait ça. UCLA. Alors, ils ont fait comme ceci. C'était un grand débat. Ils m'ont invité à Barcelone. Ils l'ont invité. Et puis, ils ont invité un égyptologue aussi de Vienne. Lui, il connaissait un peu le Swahili. Donc, ils m'ont mis comme ça au milieu. Eret là et le gars là, ici. Il a exposé. Et puis, on devait en faire la critique. C'était comme ceci. Le gars-là a fait comme ceci. Il a pris, il donne à l'ordinateur 100 mots d'une langue. 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots de l'égyptien, 100 mots. On voit dans le dictionnaire. Après, il construit un ancêtre commun prédialectal, lui-même. Il demande au dictionnaire, puisque je t'ai donné l'ancêtre commun, puisque je t'ai donné 100 mots de chaque langue, pour cet ancêtre commun, ressors-moi les langues qui renvoient à cet ancêtre commun. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il a fait ça. Bon. Et puis, il a laissé trop de blanc dans l'Égypte, l'Égyptien. J'ai dit, mais enfin. Bon, moi, ça ne fait rien, c'est le débat. Moi, je vais remplir les vides laissés par votre ordinateur, par vous, même pas par votre ordinateur. Et
J'ai dit, bon, pas la peine de parler long, c'est un peu technique. Votre ordinateur a raison. Parce que quand vous dites, donne-moi la racine commune pour ça, l'Égyptien ancien, il met blanc. Donne-moi un coréen, il met blanc. Donne-moi... Alors, si j'en remplis le blanc qu'il laisse, vous voyez bien que la parenté ne matche pas avec les langues de votre comparaison. Je lui ai fait la démonstration. Alors, comme ils avaient dit qu'on va tout publier, tous les résultats du débat, on va tout faire. Ils avaient mis des femmes là pour faire les vidéos, les films, pour enregistrer. Une dame espagnole bien pimpante devait faire les, diriger les modérateurs. Bon, ils ont appelé certains noirs contre moi. Ils ont monté leur... Je ne savais même pas. Ils avaient monté ça. Et quand ils ont publié les actes, ils n'ont même pas dit que j'étais participant. Même pas. Il n'y a même pas mon nom, rien. Bla, ils ont laissé tomber ça. Moi, je les ai appelés après, téléphonés. J'ai dit, mais vous n'êtes pas honnête. J'étais au moins participant à ce colloque parce que vous étiez battu, que vous avez dit, oh oui, mais la secrétaire a fait une erreur. J'ai dit, c'est faux. L'erreur de quoi? De ne pas me mentionner comme simple participant, alors que moi, j'ai exposé, mon nom était là, j'ai... Non, vous racontez votre vie. Enfin, bref. Cette affaire du colloque du Caire, on est sorti victorieux. Vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue. Race, langue, culture. L'Égyptien ancien, les sonnerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvelles, là, les victorieux, vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue. Race, langue, culture, l'Égyptien ancien, les sonnerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvelles, là, les Vernus, les Africains, je ne sais pas quoi, de l'Égypte aux Amériques, un truc comme ça, là, chez Cartala. Pour canarder chez Candia, Dieu peut me canarder. Et ils étaient 19 dans leur livre, là. Ils ont vraiment injurié les gens, quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. Mais rien, quoi. On fait de les devinettes, qu'il faut la vraie science. Bon. Comme c'est la polémique, j'ai polémiqué pour les autres, là. Mais surtout, pour le, il y avait deux égyptologues. Là, je n'ai pas polémiqué. Lui, je l'ai analysé presque point par point ce qu'il raconte. Le résultat que j'ai écrit, que lui, il est un menteur scientifique, un menteur. Parce que ce qu'il raconte, nulle part, s'il est capable, il n'a qu'à me donner le texte égyptien qui dit ce qu'il dit. Il a fabriqué ça, et c'est mal fabriqué même. Il n'a qu'à produire, il n'y a pas de texte, il ment. Moi, ce que je dis là, sur ça, ce mot égyptien, voici le texte. Il n'a qu'à aller à Luxor, in situ, à Luxor, à l'entrée, à droite. Il y a un colosse assis de Ramsès. Au dos de ce colosse, il y a un texte hiéroglyphique laissé par les Égyptiens eux-mêmes. Il n'a qu'à lire ce texte. C'est ce texte qui est ma référence. Et voilà, c'est ce texte que je traduis, que j'emploie, le mot que j'emploie. Lui, quel est son texte? Il ment, c'est un menteur. Alors, comment un conservateur du Louvre, un égyptologue conservateur du Louvre, il peut mentir? Donc, ce gars, c'est non seulement il a une mauvaise foi, mais c'est un gros menteur en plus. Alors, et puis ce qu'il dit, ça n'a ni que ni tête. Je l'ai ramassé, ils disent, oui, Obenga, il est toujours d'une violence raciste. Il est très raciste. Il est, bon, je l'ai, quand est l'égyptologue, là, lui, il était superbe. Moi, je ne fais pas comme les autres. Les autres, ça dit, chacun, moi, quoi, font, ils jouent, etc. Il a fait comme une récréation, quoi. Je lui ai dit que même un garçon qui a trois mois ou trois jours de linguistique, ne peut pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où? Alors moi, je l'ai, parce que je le connais. On était étudiants ensemble, je le connais, c'est un type orgueilleux. Je dis, je vais le ramasser, parce que bon, lui a appris, il a dit, voilà, Obenga me ramasse comme s'il ne me connaissait pas. Tu vois? Et sa femme lui a dit, mais ce n'est plus les singes dans la forêt.
on n'est plus des singes dans la forêt. Il dit, faut les respecter. Ce n'est plus des singes. Hein. On les prenait pour des... Ils sont plus singes dans la forêt. Ils sont à Paris, au bord de la Seine. C'est pas au bord du Congo. Donc, alors lui, tu sais, je le connais. Il était très superbe, orgueilleux. Il critiquait même les profs. Il se prenait pour né de la cuisse du sphinx ou quoi. Et je l'ai bien ramassé, mais techniquement, il ne pouvait rien faire. Et depuis, il ne peut plus faire ce qu'il blague. C'est techniquement. Alors, maintenant, ils sont défaits. Ils gardent, j'ai vu à Abidjan, on voulait me présenter à leur groupe, à une dame de leur groupe, là. Bon. Moi, je ne voulais pas arrêter le gars de Côte d'Ivoire, là, l'Ivoirien. Je ne voulais pas l'arrêter, parce que je dis, il va faire une erreur. Bon, c'était trop tard. Il dit, professeur, venez, je vais vous présenter à madame Intel. J'allais l'arrêter, mais c'était trop tard. Je dis, bon, alors. Il a dit, bon, madame, je dis, bonjour, madame, mes respects. Et quand on a présenté, dit M. Obeng, il dit, oh, les racistes, là. Elle a crié, le raciste, là. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, mais voici le problème. C'est que les problèmes africains, dans la mesure du possible, on les défendra sans aucun compromis, d'aucune sorte. Et si vous appelez ça raciste, fanatisme, c'est votre vocabulaire. Mais je ne pourrai jamais faire un compromis. D'autant plus que vous, les africanistes, hein, vous parlez des choses dont vous ignorez. Dans votre groupe, là, il n'y a aucun égyptologue. Il n'y a aucun paléontologue. Il n'y a rien. Pourquoi vous, toujours, vous prenez les gens pour dire, mais oui, vous êtes raciste. J'ai dit, bon, prenez comme vous voulez. Vous êtes ici venu expliquer les royaumes à Caen, c'est-à-dire les royaumes des Baoulés, là. Les royaumes à Caen, moi je me préfère lire les livres écrits par les Ivoiriens, il y a des historiens parmi eux, que de lire vos chiffons là, de trucs là. J'ai dit oui, mais Obengaim, non seulement il est raciste, mais il est impoli. J'ai dit mais impoli c'est moins fort que raciste. Puisque je suis déjà raciste, je peux être impoli. Impoli c'est moins fort. Puisque, oh, j'ai dit non. Après, j'ai dit bon, venez, on mange à table, on va discuter. J'ai dit non, je ne. C'est bizarre, hein? Tu vois bien qu'ils ont tort, ils ne sont pas sereins, ils ont tort. Donc voilà, l'Égypte antique, les pharaons, l'Égypte antique, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une revue qui existe depuis 1992, qui s'appelle Ankh. Vous pouvez regarder online, il y a une revue. Tous les égyptologues africains, ils écrivent. On a créé un centre d'enseignement d'égyptologie à Paris. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui prend la langue en charge. L'enfant de Cheikh Anta Diop est là. On a des physiciens nucléaires, l'enfant de Cheikh Anta Diop. On a des mathématiciens, Fougain, c'est un Camerounais. On a un astrophysicien, c'est un Camerounais. On a un mathématicien qui enseigne les mathématiques à Jussieu, c'est un Togolais. On a un philosophe, égyptologue, c'est un Burkinabé. On a un égyptologue, l'âme. De Dakar et Sal de Dakar aussi. On a un égyptologue aussi, Sar, qui est sénégalais, mais comme il est marié à une camerounaise, donc il est au Cameroun, il a suivi sa femme, il enseigne, il écrit. Donc il y a une équipe qui travaille, qui est dynamique. Alors, il faut relancer l'équipe de Kinshasa. Que Monseigneur Jibangu voulait lancer effectivement sur le conseil de Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai formé les premiers égyptologues noirs américains, techniquement, avec doctorat. C'est moi qui les ai formés. Avant, ils ne savaient pas. Ils faisaient les motions comme ça, nigrou, nigrou. Mais j'ai formé techniquement. Et il est devenu membre de la Société des égyptologues américains. Donc, il est le seul noir là-bas. Et on lui dit, mais habituellement, on connaît le cursus des gens, mais toi, tu as appris ça où? Parce que c'est quand même étonnant. On a vu, on ne connaît pas ton cursus, mais tu connais comme nous, mais tu as appris ça où? Il a dit, mais j'ai appris avec le professeur Obeng. Il dit, oh, yes. Lui, là, on le connaît, yes. Il vit encore, il dit, oui, il est encore un peu solide. J'ai dit, ils peuvent attendre. Hein. C'est pas demain. On a des docteurs africains maintenant. Ils peuvent voir nos cœurs, ils peuvent voir nos artères. Et tout. On tient encore le coup.
Now, do you remember him saying stuff about culture? Like, culture is really the identifier, right? You could say whatever you want, you could write down things, you could say things, but the thing is that the culture will give it away every time. Now, what I find interesting is that white people back in the day were not prominent in ancient times, from my understanding. They were not prominent in ancient times, because women were more prominent back in the day during ancient times. There were women goddesses, women temples, there were women priestesses, oracles. So women were more prominent back in the day. There wasn't a problem with black people that I know about, this racism. And also gay people. It wasn't a problem with gay people back in the day. There were gay people. It wasn't really a big deal. Now, it seems all of a sudden when the Protestant Reformation comes in, because I always keep on telling people about this, the Protestant Reformation was a new world order. They said it in so many ways: protest, reformation, renaissance, rebirth, new beginning, enlightenment. It was clearly a new world order. And then that's when white people started branching out and conquering and stuff like that, spreading their misinformation about the world. All of a sudden, black people are pushed down, women are pushed down, gay people are pushed down, and socialism is pushed down. Right? They're telling us socialism is the worst thing ever because good works is a form of socialism. They're telling us that that's where you and I socialize. Is that a bad thing? Or you socialize with your friends. Is that a bad thing? No, we're social animals. But yet somehow social, anything that has social is bad. You know who doesn't like social? Antisocial people. They don't like social. So when they say they don't like socialism, those are antisocial people, those people who like to discriminate. They are the ones that don't like socialism. And they misrepresent it and make people believe that it's some nefarious, nasty boogeyman, but it's not, right? Because if we have a high degree of socialism, then their power goes down. They have no power whatsoever. They get called out every time they're bigoted with their discrimination. They get called out. They don't like that. So that's why socialism is the worst. So that was white culture. You cannot deny that. That was white culture. White culture had a problem with black people. They had a problem with women. Women could only do certain things. That was their culture. They had a problem with gay people. Okay? And they had a problem with socialism. Now, look what's happening. Black people are rising up. Women are rising up. Gay people are rising up. And socialism is rising up. I know what I'm talking about because you can see it for yourself. All these things are rising up. And this is what white culture had a problem with for the longest time. Supposedly, they had all these civilized societies back in the day, but they can't be civil to people that are different from them. It's just bizarre, but you can tell by the culture. So they say all this, that we did this, we did that, and stuff like that. But when you look at their culture, it's like, well, how come you're doing all this? How come you're pushing down black people? How come you're pushing down women? How come you're pushing down gay people? How come you're pushing down socialism? And then all of a sudden we're moving into a new world order, and what's happening? Those four things are rising up: black people, women, gay people, socialism, all rising up right now. And what's happening to white power? It's declining. As I said, I know what I'm talking about because you could see it for yourself. So that was their culture, and then from there you could understand that they are lying about their history on a grand scale.